Putain, mais genre, tu as un vrai talent pour la photo! Super contre-jour! D'ailleurs, j'ai chopé un autre truc. Elle est dans l'équipe, mais je pense pas qu'elle se batte avec nous. C'est un peu dommage. D'ailleurs, il a pas d'armes secondaires. On va se mettre de la foudre. Hop, combinaison pare-balles. Ouais, elle est plutôt cool, Zantenne. Moi, je m'amuse bien. Après, il semblerait que ce soit la deuxième partie du jeu qui pose problème. Du coup, bah, je verrai. Et en avant. Sachant que je vais soon. Regarde, encore Widar qui critique sans avoir joué, comme d'habitude. Ah, je suis désolé, le jeu est sympa, le système de combat est cool. Moi, je m'amuse bien. Salut Arnos. Lucas, elle est d'une autre envergure que Loki. Oui, mais faut dire qu'on avait Korr à nos côtés contre elle. Tu crois que ça nous aurait aidé s'il avait été ici? J'espère qu'on pourra l'affronter encore. Des clous. La quête principale, moi je la trouve cool. Après les quêtes secondaires, c'est des quêtes secondaires, hein. Si juste l'écriture faisait un bon jeu, on jouerait qu'à des visual novels. Je rêve ou ça ressemble à une sorte d'entrée? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose par là. Il semblerait que nous ayons devant nous la fameuse forêt de Malmalam. Alors il y a des chances qu'on y trouve ce qui nous intéresse. En avant. Dans les bois, il y a un peu trop de monstres à mon goût. Et alors? Ils nous servent de punching ball? Ah, ça me va très bien. Alors là, chacun son point de vue. Je suis plutôt d'accord avec Gladio. On est arrivé. Bah, c'est un regroupement où il y a plein d'arbres. Pour moi, ça me suffit. Vous savez quoi? De temps en temps, ça m'arrive de voir des gens voyager à d'autres chocobos. Vous êtes déjà monté sur un chocobo? J'aimerais bien le faire une fois. Non. Eh bien, faisons-le. Noct, tu peux appeler les chocobos? Chocobo. On y va. Elle a son propre chocobo. Et pour le coup, c'est pas moi qui réglais sa couleur, hein. Il est comme ça de base.
Et voyons, on t'aime, tout le monde sait que Poudard n'aime rien. Chocobo n'aime pas nager. J'essaie de me rappeler de bons RPG que j'ai fait. Il y en a tellement peu que j'ai fait des RPG. Lost Odyssey sur Xbox, c'était cool, sur 360. Quoi d'autre? J'avoue que, enfin, si on parle de JRPG, j'en ai fait très peu. Après Morrowind, c'est mon jeu de l'amour. Fallout, j'en ai fini aucun. Même le dernier, il m'a vite saoulé. Ça fait du bien, un peu de soleil. Je sais pas, je suis plus Elder Scrolls que Fallout, perso. Mieux vaut redoubler de prudence. À savoir quelle sale bestiole habite dans le coin. Bon, vous voulez vous défouler un peu? Bien net. Très bien. J'avoue que tu m'impressionnes. Je sais. C'est un vrai match de boxe, vos combats. Vous savez que dans les forêts, il y a souvent plein d'insectes bizarres. Ah, The Witcher 3, ouais, pour le coup, il est cool. Ils vont pas comprendre ce qu'il en arrive. Un bonnet est mort, ça. C'est quand même cool aussi. Ah, je suis assez d'accord avec toi là-dessus, Ours, par contre, hein, le gameplay de The Witcher est relou. Hein. Bah, quand tu viens de Dark Souls, sur The Witcher, t'as l'impression de conduire un Spearmark. Hein. C'est carrément le défaut du jeu. Non, là, tu dis de la connerie, Widar. Skyrim, c'est un RPG. Vous avez trouvé quelque chose d'intéressant? Je te rappelle qu'on vient juste d'arriver. Je voudrais que ce soit indiqué par la carte en plus. Tu veux me tuer ou quoi? Mes excuses. Pour me rappeler. Il a complètement peur de la boule. Bien. Putain, j'ai 67 points de compétence. Ce serait pas con.
d'investir un peu. Par contre, la quête, elle est de quel level? Parce que là, les mobs, ils sont quand même vachement violents. 35, oh, j'ai le level. Mettons des points de compétence. Hop. Tout à fait, Léa Passion est un RPG. Ouais, mais Sengoku Rens, tout le monde ne peut pas y jouer, Kenji. Ah, j'aurais pas la définition du RPG à te donner exactement, Ouda. Pour moi, à partir du moment où c'est un jeu où t'as une histoire et t'incarnes un personnage... Après, on peut mettre le système de personnalisation du perso à base d'équipement et d'XP. Même si c'est plus trop le cas à l'heure actuelle, parce que même dans les FPS, maintenant, ils mettent de l'XP. Oh putain, il y a des travaux. Je sais pas, vous n'entendez pas les travaux, les amis. Ça faut que je le prenne. Je l'ai de base en fait. Ça on va prendre. Ça on va prendre. Est-ce que j'ai assez de points pour la suite? Hop. Silver? Non, pas du tout. C'est quoi? Où est les garçons? T'as rien de cassé? J'ai rien à... Prends si vous êtes avec moi. Eureka! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pensé à une nouvelle recette. Vivement qu'on y goûte. Le mec, il est en mode YOLO, comme ça, pouf, d'un coup, il trouve une recette. Silver, hein, ça me dit rien. C'était sur quelle plateforme? Si tu parles de trop déroguer, tu vas traumatiser les gens, Kenji, voyons. Toi-même, tu sais. Vous entendez cette eau qui coule? Il y a sûrement une rivière pas loin. Ah, c'est déjà ça. Elle doit être pleine de poissons. Revoilà le roi des terres. Ah, ils craignent les guêpes craignent la glace et les lancent du coup. On peut se concentrer sur ce qu'on fait d'abord. Putain, cette fois, la peur va changer de place. Putain. Ouais, les mobs ici sont quand même bien bien violents. J'avais paré. Ah, saloperie. Inis, il paye à son à mort. Ils
pourrait que ça se complique un peu. Ouais, je te le fais pas dire. Putain, c'est... les mobs sont méga violents. Cette fois, Roland, la peur va changer de camp. Je crois qu'il est en place. Ça suffit. Je me fais déboîter. Là, c'est quoi ce sort qui me désoriente à mort, quoi? Bordel! J'étais si inquiète. Ça va. Alors... oh putain, oui, en effet, c'est assez vieux, je connais pas. Dungeon Keeper, ça c'est une tuerie. Je dois encore l'avoir, le premier Dungeon Keeper, avec le bouquin et tout, qui traîne. Mais après, c'est pas un RPG, oui, Dungeon Keeper. C'est un jeu de gestion. Il me bloque, l'enfoiré. Laissez-moi faire. C'est vrai que Dungeon Keeper était cool. Ils ont essayé d'en refaire des Dungeon Keeper récemment. Mais, enfin, c'était pas terrible. Je sais plus comment ils avaient appelé ça. Mais, putain, c'était pas folichon. Soyez prudents. On a vite fait de glisser avec un tel courant. Tu m'étonnes. J'ai pas les chaussures adaptées à la situation. Suffit d'y aller lentement, mais sûrement. Ah, du coup, je peux régénérer ici. On va camper pour prendre de la bouffe à bœuf, parce que les mobs sont bien violents, quoi. C'est vrai que des Dungeon Keeper-like... putain, comment il s'appelait? Je sais pas si ça s'appelait pas Dungeon, d'ailleurs. Il est sorti sur PC il y a pas longtemps. Ah bah c'est ça, ouais, Dungeon. Après, c'était pas dégueu, mais il manquait un petit quelque chose, quoi. Ouais, c'est un bœuf de porc, je vais être tranquille. C'était tellement bien le côté tu joues les méchants pour une fois. Je trouvais ça trop bien. Il y a Tyranny qui est sorti récemment qui m'a tiré pour ça, mais après, c'est un Baldur's Gate-like et j'ai plus la foi de faire des Baldur's Gate. Il y a une tête de con sur celle-là. Celle-là est un peu mieux. C'est vrai que je regarde de temps en temps les VOD de Tyranny de Shoka et partir, ça me donne envie, quoi. Ça oui. Allons-y. Bon. À part une chute et une mort certaine, je vois rien d'intéressant. On n'a pas d'autre choix que de remonter le courant. Ah bah bravo, maintenant j'ai le froc complètement trempé. Pour une fois que c'est pas sous l'effet de la trouille... faut savoir se mouiller parfois.
Un petit loot, un petit truc là. Même pas. Déception. Ah non, j'ai récupéré tellement de trucs, genre les salles de torture, etc. C'était vraiment cool. Soyez vigilants. C'est pas le moment. C'est le moment de se concentrer. Non. Au coup, ça ferait partie des jeux que j'aimerais bien voir en remake HD, tu vois. Putain, mais... Putain, j'ai craqué mon truc et il m'a désorienté, l'enculé. Putain, Ennis a balancé un sort de foudre, du coup défoncé. T'as rien de cassé? J'ai rien à craindre si vous êtes avec moi. Voilà. D'ailleurs, vous en pensez quoi du reboot de Crash Bandicoot? Apparemment, on peut continuer par là. Alors c'est ce qu'on va faire et tout de suite. Question. Ça se rétrécit vachement d'un seul coup. Ça nous donne une bonne raison de rester sur nos gardes. En effet, j'ai un mauvais pressentiment. Ouah. Ça fait du bien de plus être à l'étroit. Hein. Il a pas l'air très sympa. Ça, on s'y attendait. Mais lui, c'est pas ce qu'il attend. En avant. Putain, mais ce con quoi, il a balancé un sort de foot sur le groupe. Alors, scan. Alors ça craint les lances. Pas pour les lances. Putain, mais Ennis il sert à rien, c'est abusé. Comment c'est un peu trop paillassonné. Faut être rapide pour la parade. Bordel, mais ce qu'il met. Regarde bien. C'est vrai.
Hop, au groupement. Down. Magnifique. Là, pour le coup, cette bestiole, elle était classe, hein. T'as n'empêche, moi, faut que je commence à prendre mes jeux sur GOG. C'est tellement pratique. Après tu mets tes zips sur un disque dur, t'es tranquille. Plus d'arme en plus. C'est une plateforme comme Steam, mais en fait t'as pas de DRM. Du coup, tu peux filer tes jeux à tes potes en envoyant le zip. Et c'est nickel. Quand t'achètes un jeu, il t'appartient vraiment. Bien salut Kizo. Bon bah, ça valait carrément le coup de se mouiller un peu. Hop, une épée de plus, du coup il manque une deux. C'est celle que j'ai déjà, celle-là. Je sais pas si c'est celle que j'ai déjà ou pas. Je crois que c'est celle que j'ai déjà. 5, 6, 7. Bon, j'en ai la moitié à peu près. On va retourner la voiture, évidemment on peut pas. Je peux retourner à l'entrée si je veux. Non, GOG c'est une plateforme qui est vraiment cool. D'ailleurs, si c'est pas des jeux multi et que vous avez le choix entre acheter sur GOG ou acheter sur Steam, achetez plus sur GOG, je vous conseille. J'aime l'odeur qui se dégage après la pluie. Ouais, moi aussi. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de DRM, etc. Et si vous voulez prêter vos jeux à des potes, hop. Ah, j'ai senti une goutte. Vous cliquez, voilà. Ça vous fait un zip et vous lui envoyez, hop, il peut y jouer. Sans souci. Non, j'ai dit c'est une plateforme comme Steam, donc non, Kenji. Et toute merde, c'est très bien qu'il n'y en a aucun en français. Que si on les prend pas sur le site, on les trouvera jamais. C'est tellement longtemps que je suis pas allé sur le site d'ailleurs. Elle est où la bagnole? Il fait froid. Ouais, je suis d'accord. Un stand gaming, des fois je prends des trucs dessus, mais je me méfie quand même. Parce que je me rappelle d'une époque, pour Battlefield 3 ou 4, il y avait des clés qui avaient été refusées et les mecs ils s'étaient fait baiser. Quoi, après, tout le monde peut dire, bah moi ça m'est jamais arrivé, mais 60€ une seule fois dans le cul, ça fait mal quand même. C'est vraiment très rare quand je prends un truc sur un stand gaming.
Restez patient, t'as juste à attendre les promos Steam et la part du temps. Merci. Sympa la balade. Allez, en avant. Pêche un bon donjon de fait. Une arme en plus. On est bien. Bah après ça dépend, oui, en fait. Sur les jeux indépendants, je vais toujours les payer plein pot. Je trouve ça important. Après. Ça dépend des trucs. Genre sur un stand gaming, le plus de trucs que j'ai acheté, je crois, c'est des... C'est soit des season pass, soit des DLC, mais bien après. Genre, il n'y a pas longtemps, j'ai acheté le season pass pour Borderlands 2. Enfin, le dernier season pass, parce que il y a deux season pass sur Borderlands 2. Et il manquait des DLC, je crois. Vous allez tous les quatre à Alticia ? En théorie, oui. Oh, la chance ! On n'y va pas pour faire du tourisme. Oui, c'est vrai. Iris, t'as l'air triste. Oh non, non, j'ai juste parlé sans réfléchir. C'est tellement chouette de voyager avec vous. Je suis pas pressée d'arriver à KM. Dis pas n'importe quoi. T'inquiète pas, on te rendra visite. Pas vrai? Ouais. Mais elle est toute triste parce que Noctis il va se marier. Kenji, s'il te plaît. Évite ce genre de truc, quoi. Quel est l'intérêt de cette remarque? Il serait peut-être temps de faire une pause, non? Bah pourquoi? Faudrait pas que notre chauffeur s'endorme. Ah non, ce serait con. C'est pour Iris qui s'inquiète, pas nous. Oui. Bah comme indiqué, un season pass, c'est pour la saison, hein. Et sur Borderlands, les DLC sont sortis très longs, sur une très longue période. J'aime pas être serré. Et désolé, du coup, le premier season pass faisait choper que les premiers DLC. T'es pas drôle, et t'es trop large. Par contre, ils me font m'arrêter là. L'averse est passée. Est-ce qu'il y a un truc pour se reposer? Y a pas de truc pour descendre de la route. Ce qui est totalement con. Et du coup, bah, je vois pas s'il y a un truc de repos ou pas. Allez, on y va. Bah honnêtement, je sais plus sur quel jeu il s'était rendu compte en datamining dans le jeu que il y avait déjà tout dans le jeu et que le Season Pass te permettait juste de les débloquer. En fait, ils avaient juste tronqué le jeu en petits bouts. Salut Colin. L'océan est proche. Il est sympa, moi je m'amuse bien. Ah, quelle vue ! C'est un bel endroit. Après, il semblerait que la fin du jeu est un peu moins bien, mais pour l'instant, moi je m'éclate bien. Là, je crois, je dois être à 20 heures de jeu à peu près. Waouh, vous avez vu ce panorama d'enfer? C'est plutôt paradisiaque comme vue. Sauf que t'es pas mort. Après, honnêtement, il y a des jeux où balancer mes 15 boules pour un DLC, je vois pas où est le mal. Parce que si le DLC est bien long et qu'il est cool, ma foi. Mais les DLC dégueux où ils coupent des bouts du jeu. Ah quand même, impressionnant. En effet, il doit traverser un fleuve important. J'adore ce genre de paysage. Salut Nono. Un coup d'œil ? Y'a quoi ?
est arrivé. Plus d'antenne, passe une bonne journée, l'ami. Alors là, Widar, si tu les as pas fait, dis rien, parce que les DLC de Borderlands, ils sont géniaux, quoi. Sérieusement, les DLC de Borderlands fait partie des meilleurs DLC. J'ai trouvé un minéral. Ah putain. Hop. Je voulais aller un peu plus loin. Sale gosse, c'est-à-dire du caca randomly. Ouais, clairement, il y a des DLC, c'est tellement la base. Déteste, bande de sales gosses. N'écris pas comme ça. Tu veux me tuer ou quoi? Hop. J'ai tellement d'XP en stock. Aucun. Et toi, Nat? Comme toi, rien à signaler. Tout le monde sait que c'est ton genre de faire les hélicoptères, voyons. Y'a pas un endroit pour camper là? Ah voilà. On monte la tente. En avant. Encore ? T'as un petit problème avec le camping ? Ah, je suis pas d'accord avec toi, Widar. Après, ça c'est une question de goût, mais perso, Borderlands... J'ai fait des grosses sessions Borderlands il y a pas longtemps, et bordel, qu'est-ce que je me suis éclaté. C'était vraiment bien fun, quoi. Borderlands, après, le concept, c'est un peu comme un Diablo, en fait. Quand tu arrives à un certain niveau, tu vas chercher les items pour optimiser tes builds et tu les bidouilles pour faire des trucs sympas. Et c'est ce qui rend le jeu un peu plus profond que ce que t'as l'impression de voir. T'as, il manque encore 3 points d'XP pour le level up, quoi. Fais chier. Faudrait que je fasse de la pêche pour monter la pêche de Noctis, mais je sais pas vraiment à quoi ça sert en fait. Cool.
Putain, je vais bientôt arriver au maximum de photos que je peux emmagasiner. Ça me fait un peu chier. La pêche, dans la plupart des jeux, ça me casse les couilles. Hein. Allez, on bouge. Ouais. Tu dis ça parce que j'ai plein de photos de Prompto. Oh, putain. Alors ça. On va tester la pêche, tiens. Non. Tu devrais changer ta ligne avant qu'elle casse. Donc je vais sortir dans l'allée et que je vais défoncer les voisins. J'en peux tellement plus du tapage dans les radiateurs, quoi. Petit. Non, si. J'ai peut-être pas les bons appâts pour pêcher. Ouais, c'est casse-couille un peu. Hein. On va retester. Si ça marche pas, fuck it. On peut viser. J'avais pas vu que sur la minimap il y avait les points pour les poissons. Autant j'aime bien la pêche IRL, autant dans les jeux vidéo, c'est assez rare quand ils arrivent à en faire un truc sympa, quoi. Et non, j'ai pêché une baleine, j'ai mis du câble à baleine. Allez. Je dois pas avoir les bons appâts. Bon, fuck it. Je relance un coup. Allez, casse-toi, merde, et à chaque fois je me gourre. On va aller vous faire foutre. Ouais, putain. Putain, mais à chaque fois je rappuie sur X, bordel. Ok,
cassos. Oui, la pêche est de la merde. On s'est bien amusé. Ils sont tous là en train de me regarder, les pauvres, quoi. On peut taper à la bagnole. Ouais. Hop. Allez, en avant. Allez, on y va. Oh, mais là, faut avouer, c'était caca à la pêche, là. Donc, c'est toujours toi qui fais la cuisine. Plus ou moins. Gladio, tu l'aides pas? Et toi? Bah, à l'occasion. Quelle occasion? Moi, je l'aide bien. Je mets toujours le couvert. Je vois que les tâches sont bien réparties. On est arrivé? Oui, c'est là. Ignis, merci pour la route. De rien. Je suis trop pressé de revoir Talcott. Ah, il y a Cindy par là. On dirait le camion de Hammerhead. Nous y sommes. Oh. Ah, c'est pas trop tôt. Après, je veux dire, c'est Inis le larbin. Hein. Que vends-tu? Bien, bonjour. Merci à vous. Repas gourmet pour chat. Vingt mille... Putain, on va te refoutre le chat. Va se foutre de ma gueule. Je sais pas si ça améliore le truc de manière constante ou pas. Doit être que pendant le combat, pendant un petit moment. Allez, au revoir. Eureka. Qu'est-ce qu'il y a, Inès? J'ai pensé à une nouvelle recette. Vivement qu'on y goûte. Ok, le mec comme ça, il regarde le ciel et il pense à une nouvelle recette. Oui, bah, ma foi, oui. Ok. Non. Et si on montait? Mais non, c'est de l'amitié, voyons. Mais la vue est sûrement. Non, non. Salut. J'en étais sûr. J'ai reconnu la voiture au bruit du moteur. Oh, tu t'y connais? Non. Tant pis, Harry, c'est dur. Notre voyage restera un super souvenir. Et le bateau? Papy est en train de le retaper. Je pense qu'il en a pour un bon moment. Qu'y a-t-il? Un problème? Disons que le rafio a fait son temps. On va être obligé de remplacer certaines pièces. Ah bah, ça promet. Ça ira. Papy, il est pas du genre à baisser les bras. Sauf que ces pièces, bah, faut les trouver. Désolée de vous demander ça, mais vous pourriez nous aider? Bien sûr. Compte sur nous. Super. Ah, et puis rassurez-vous, il y en a pas tant que ça. Monica et Dustin sont super efficaces. Ils ont déjà trouvé la plupart des pièces. Parfait. Ça ne m'étonne pas d'eux. Malheureusement, il nous manque encore du mithril. C'est un minerai extrêmement rare. D'après le petit garçon de la capitale, il est absolument impossible d'en trouver dans la région. Talcott? Oui. C'est mon anneau de mithril. Tellement savant. Pour en savoir plus, allez lui parler. Ok, merci. Moi, c'est dans Skyrim que ça me faisait ça, Kenji. Quand j'éteignais le jeu, j'allais me coucher. Et après, je disais, ah, putain, j'aurais dû faire ça, ça, ça. Et du coup, je me relevais. Papy est sur le quai, il vous attend. Bon, bah, c'est pas tout ça, mais faut que je m'occupe du garage. Je vais prendre mes outils et je vais rentrer. Prince Noctis! Regarde, ici, c'est notre maison. Je vais te montrer. Ça va, ton deuil de ton papy rapide, hein. Ah, putain. Je disais dans les jeux, quand ils font ça, ça c'est tellement un manque de finition du jeu, quoi. C'est chiant. Cindy,
bateau. Heureusement, je sais qu'on peut en trouver dans des ruines à côté d'un lac. C'est au nord d'une grotte, près d'une cascade. J'ai lu ça dans un carnet de papy. Alors, toujours piller les maisons, très important. Je sais pas, on dirait la voix de Sangohan. Après, dans ce jeu, il y a la doubleuse d'Athéna aussi, des chevaliers de Zodiac. Ah, mais bouge ton gros cul! Vous savez, je crois bien que le lac dont parlait Talcott est le lac Vesper. Monica et Dustin sont déjà partis en reconnaissance. Visiblement, l'Empire bloque le chemin. Il va falloir vous préparer, et comme il faut. Vous pensez être prêt? Tu connais rien, Widar. Iris, tu veux pas nous laisser seuls deux minutes? D'accord. À tout à l'heure, alors. Salut, Kaleo. En même temps, c'est normal, hein, Sangohan, il veut pas se battre. Hein. Il est pas comme son père, il aime pas spécialement se battre. Les gars, il va falloir régler ce problème de bateau sans moi. What? Pourquoi? J'ai un truc à faire de mon côté. Bon, très bien. J'imagine que c'est important. Quel plaisir de servir un prince comme toi. Bon, à plus. Je vais pas lui dire non, t'y vas pas. Ça aurait été dégueulasse. Yep. Je sais parce que Gladio c'est un de mes persos préférés. Salut super. Ils sont disparus. Je me suis réveillé comme ça. Oh, quel un chocobo. Coucou. J'adore prendre les selfies de prompto. La calvitie commence, il faut tout raser.